Salut. Bonsoir. Pas de cam aujourd'hui, parce que voilà. Et il n'y aura peut-être pas de cam toute la semaine, parce que j'ai oublié mon lisseur chez ma mère. Du coup, le temps qu'elle me le renvoie, je n'oserai m'afficher avec mes cheveux longs pas bien coiffés. Voilà, pardon. Je dis pas de cam ce soir, certainement pas de cam toute la semaine pour des raisons de oubli de lisseur pour avoir une capillarité adéquate au stream. Voilà, je m'entraîne à langue de bois. Hop, mais c'est pas grave, de toute façon, le show c'est pas moi ce soir, le show c'est les jeux qu'on va découvrir. Merci aux DAF qui m'ont donné ces clés. Bon, on se remet à faire de la découverte indé, ça faisait un petit moment quand c'était pas vraiment enchaîné les jeux indés comme ça. Du coup, on va partir sur Genopanic et Pila Pila, qui sont deux jeux de plateforme et dans deux concepts très différents. Il y en a un, c'est plus du Metroidvania avec des gros pixels 16 bits. Et l'autre, c'est vraiment des graphismes très très épurés. Petit jeu de casse-tête, enfin, petit jeu de. Ouais, ça, petit jeu d'énigmes, platformer. Un petit peu la Box Boy. Voilà, j'espère que ça va être sympa. Ou c'est le petit Quick Sionisk. Et du coup, voilà, je risque aussi de me lever un moment pendant ce stream. Pour peut-être espérer que mon frigo remarche. Mais bon, j'ai commencé à faire le deuil, hein, vous savez. j'ai fait le deuil de ma vie. mec totalement déprimé, non vous inquiétez pas. ça me casse les couilles, mais enfin avec. Après, c'est jamais, hein, peut-être qu'avec le Saint-Esprit, peut-être va-t-il remarcher, je ne sais pas. C'est bien de bidouiller un peu derrière des poussières et tout. Peut-être qu'il y avait un truc qui coinçait et que j'ai réussi à le décoincer, je ne sais pas. Mais bon. Bref. C'est pas mon genre de réclamer de la thune. Mais si vous aviez prévu de me donner de l'argent ce soir, n'hésitez pas à passer par le PayPal. Enfin, par le système de dons direct. J'avoue que si je pouvais un petit peu rentabiliser le prix d'un potentiel frigo, ce serait pas trop mal. Bref, évidemment, ne vous forcez pas. Je peux me débrouiller, bien sûr. Je ne vais pas mourir de faim parce que je n'ai pas de frigo pendant quelques jours. Alors. Sinon, j'ai passé le week-end chez ma famille, c'était très cool. Voilà, c'est très cool. Ça m'a fait du bien. Et Gérald va bien, merci T-Quick, bien sûr. Hein. Le hamster sitter, merci, bien sûr. Hop. Ok. Les jeux indés, pendant qu'on s'enjaille sur Chronicles of Zelda. Du
Il y aura potentiellement des petits jeux indés à vous faire découvrir à peu près toute la semaine. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. Surtout que, en fait, là, on est dans une. On est en plein dans l'Indiepocalypse, hein, mesdames et messieurs. Mais ouais, ce mois de mai est assez chargé. Hein. Assez chargé. Du coup, là, on va jouer à Pillage et No Panic. Demain, on risque peut-être de jouer un jeu qui s'appelle Synergy. C'est un jeu de stratégie. Français, me semble-t-il, hein, mesdames et messieurs. Dans lequel eh bien, on doit gérer des colonies spatiales humaines sur des planètes très colorées, ça a l'air très mignon. Après peut-être que j'y jouerai peut-être de mon côté avant de le lancer, histoire de pas être totalement paumé sur ce genre de jeu. Je verrai si j'ai vu en mode YOLO ou si j'ai vu en mode préparé. J'ai aussi un jeu à vous montrer. Il jouera pas ce soir. Allez, ça a l'air assez gaulerie. Ça s'appelle. Hop. Ça s'appelle Free Jack. C'est un jeu en ligne. C'est un jeu de parcours, de course. Un jeu de free running en ligne. Avec bien sûr des petites inspies, jet set radioisantes, hein, vous voyez. Donc là, il y a un playtest en ligne. Vous pouvez normalement demander d'y avoir accès sur Steam. Si vous êtes d'état, vous pouvez aller sur la page Steam du jeu. Demander l'accès à Free Jack Online. Si je suis d'état, on teste ça en fin de soirée. Sinon, on se garde ça pour dans la semaine. Voilà, c'est assez rigolo comme ça. Mais le truc, c'est que voilà, encore faut-il qu'il y ait du monde en ligne. Donc, du coup, n'hésitez pas, justement, si vous voulez peut-être recevoir l'accès à ce playtest qui a lieu jusqu'à début juin. Comme ça, on pourra peut-être se faire des parties entre nous. Et voilà, ce que je pense que ouais, c'est. Je pense que le jeu est peut-être plus convaincant s'il y a du monde en ligne plutôt que si on est tout seul. Donc voilà. Il y a une vibe jet set radioisante, mais en même temps, des fois, c'est vraiment. Yandere Simulator. Quoi. C'est... je pense qu'eux, ils préféraient être plutôt dans une vibe jet set radio, mais c'est vrai que certains décors. Bon. Mais bon, après, c'est qu'une démo, bien sûr. Mais voilà, à voir, ça peut être assez rigolo. Mais du coup, nous, ce soir, on va jouer à... j'ai proposé de commencer par Geno Panic, du coup. Je vais montrer un petit peu ce que c'est. C'est un jeu sorti le 17. C'est sorti le 17. Voilà, je vous le montre. Voilà, petit platformer. Une petite vibe, voilà, un petit peu métroïdisante, espace, tout ça. Voilà, c'est tout mignon, ça a l'air d'être vraiment ma cam, hein, ça a l'air d'être my type of shit. Petit wall jump et tout. Le petit dash à la céleste. Bon, voilà, ça a l'air sympa, donc je pense qu'on va commencer par celui-là. Et après, bon, ça va être un petit peu plus austère. Ça va être vraiment le jeu indé de papa. Hop. Pila. Ah, le jeu me fait penser à un autre jeu. Vous allez voir après. Bref, du coup, le but, c'est de... Voilà, donc il y a des blocs. Premier temps. Et après, ensuite, il y a d'autres blocs qui ont d'autres intérêts, d'autres utilités. Donc, voilà, vraiment le jeu de casse-tête de base. Vous voyez, donc les blocs roses peuvent faire des grandes passerelles. Les blocs verts peuvent casser d'autres blocs. Du coup, voilà, ils sont un petit peu genre de Dell. Qui, j'avoue, ça, c'est tout con comme ça, mais j'avoue que sur moi, ça marche bien en général, ces petits puzzles. Ils sont le genre de jeu que j'y joue tranquillement, en conve, avec des potes en fond. Hop. Et ça me fait penser esthétiquement à Ink, mais j'ai pas l'impression que ce soit le même développeur. Ink, un très bon jeu de plateforme, hein, si vous aimez. Pour 5 balles, hein, ça se pique grave. Hein. Mais c'est sur Switch aussi. Alors en fait, Ink, c'est Splatoon en bien, en fun, en fait. Le mec qui chie totalement. En gros, c'est un jeu de plateforme, voilà, très épuré, mais en même temps très coloré. Où en fait, vous êtes un petit peu un artiste, en fait, puisque c'est vous qui allez donner couleur au stage. Hein, c'est le mec qui dit n'importe quoi. Alors, du coup, en fait, toutes les plateformes sont invisibles, et c'est votre petit personnage, en répandant la couleur, qui fait apparaître eh bien, les plateformes. Et ça joue un petit peu à la merde d'un Meat Boy. En fait, faut imaginer Meat Boy,
Mais si le sang que vous répandez avec Meat Boy servait à dessiner les plateformes. Je serais pas surpris que le concept du jeu vienne de ça à la base d'ailleurs. Un mec a trop joué à Meat Boy qui s'est dit attends mais... Il y a un truc de fou à faire là. Bah moi j'avais adoré Ink, hein, c'est vraiment... Voilà, c'est un jeu de plateforme pour ceux qui aiment les jeux de plateforme, et moi j'aime bien ça, donc bah, écoutez, c'est nickel. Voilà, vraiment n'hésitez pas à le choper, hein, il est sur toutes les bonnes plateformes. Hein. C'est une recommandation... Recommandation totale. C'est du journalisme total. Alors, on va jouer à Genopanic du coup. On va céder à la Genopanic. Prenez votre contrôleur, amusez-vous. Bah oui, je... oui, Steam, hein, bah, normalement, je suis connecté, hein, je vais pas te mentir. Ma manette est connectée. Hein. Ok. Ok, le jeu se lance. On va se faire les captures. Est-ce que ça a bien fait le post sur Discord d'ailleurs pour le stream? Je l'ai plus sous le nez Discord. Hop. Hop. Oui d'ailleurs, oui du coup cette semaine, donc une semaine chargée en jeu indé, mais également en semi-indé on va dire. Il y a Prince of Persia qui doit débouler dans quelques jours. Le Prince of Persia Dead Cells là. Très envie d'y jouer. Il y a aussi X-Defiant, le Call of Duty d'Ubisoft qui sort demain. Il y a aussi Multiversus qui revient cette semaine. Et en plus cette semaine je reçois Paper Mario 2 pour le tester pour Génération Nintendo. Tout en sachant que je dois travailler sur une vidéo Rayman. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Enfin bref, normalement, on devrait pas s'ennuyer cette semaine, quoi. On devrait pas s'ennuyer. Enfin, j'espère que vous avez bien profité de votre lundi de Pentecôte, hein, bien sûr. Du coup, Genopanic, qui a le bon goût d'arriver en français, ça c'est bien. On trouve un peu, on est bien. Et on va démarrer le jeu. Ici. Dis donc. Bonjour, je m'appelle Lake. Ah oui, le youtubeur, le surréaliste virtuel. Avec son ami, là, Eracid. Eh non, tu n'es qu'une boîte en fer avec un réseau neuronal d'apprentissage. Donc, je vais devoir t'aider. Votre mission est de ramasser et livrer la cargaison spatiale. Détail OGM. Organisme génétiquement modifié. Expérimentant développé légalement dans la station Simbirsk. La station spatiale Simbirsk est située sous la surface du planétoïde habité Trice2B. Activité, collecte, analyse organismes vivants, d'espèces rares d'OGM, rares et uniques. Le séjour sur Simbirsk est temporairement limité. La station a déclaré une quarantaine. Cible, récupérer des OGM pour le transport vers le vaisseau gouvernemental. Soyuz 1. Destination planétoïde Trice2B. Astroport Karato. Ah oui, le... Monsieur Karato, j'aime bien ce strip. Plus rapide que la lumière, plus sûr que la gravité. Karato se traduit par montagne noire. L'astroport conçu pour l'acception. L'envoi et la maintenance des transports spatiaux. Ok. Évidemment, toujours là pour vous régaler de mon humour. Mon humour exceptionnel. Hop. Ouh, j'aime bien juste les petits effets, le petit scrolling et tout. On sent qu'on est fait par un jeu. On sent que c'est un jeu qui est dynamique. Alors, la boîte de conserve. La première tâche est de rejoindre la station Simbirsk. Ok. Il y a un volcan derrière. Il y a des voies bizarres.
se nettoyer. C'est beau, jouer un jeu vidéo, je pense que T-Quick est un peu ému parce que ça lui rappelle l'époque où il jouait autre chose que FF14. Parce qu'il, ça remonte à déjà 5 ans hein, depuis la dernière fois qu'il a lancé un autre jeu. Ok, on a l'astroport. Ah, il y avait le... Il y a le truc de Crash Windows, voilà. Je reconnais ça, c'est le blue screen de Windows. Appuyez sur pour la carte. Paramètres. Ok. Hop, le monde gravité ne semble pas fonctionner. Un système de contrôle de gravité lift. Pirater le système de pointeur dans les ports pour sortie. Le temps de piratage est limité. Peut-être refaire mon tweet pour le stream. Hein. Si jamais ça peut faire plaisir aux devs. Le fait que je stream le jeu. Hop. Alors. Action. Un système de contrôle gravité lift. Tirez-le, dépasser le pointeur dans les ports pour sortir le temps de piratage limité. Ok. Oh le. Le petit puzzle Insomniac Games là. Ok. Petit puzzle Spider-Man Ratchet & Clank. Vous vérifierez chez vous, hein. Presque tous les jeux Insomniac Games, il y a des petits puzzles bizarres comme ça. Oh, bah, il y a Pépé The Frog. Il y a Pépé The Frog. Simbursk. Ah, c'est Dead Space. Ah bah il nous a laissé en plan. On peut se déplacer dedans. Ouah, grand fruit même. On sort bientôt la station. J'ai nos paniques. Le créant d'innovation pour toute l'humanité. Simbirsk est une entreprise privée de recherche. Activité principale, collecte et analyse d'organismes vivants sur le planétoïde. Ok. Retenez bien le scénario, il y aura un contrôle dessus. Alors. Je me dis voilà, maintenant cours vers le vivarium. Ok. Je cite une salle pour conserver les OGM. L'objectif, visiter un vivarium. Ok. Et les posters. Est-ce qu'il y a des refs? Encore Pépé la grenouille. Bah, ah, il y a le chien là. Low power. Ah, j'ai la ref, mon chaud, j'ai la ref. Je l'ai pas encore fini, j'ai commencé à me mettre le JDG tout à l'heure. C'était plutôt rigolo. Je vais terminer après. On commence à creuser. On joue à Geno Panic, jeu de plateforme aventure.
Bonne chance, perdant. Je vais enfin sortir d'ici. Il reste arrêté pas le courant. Ah, ok. Je savais pas que tu avais des talents d'ingénieur. T'es le pif, ça se travaille aussi. Les... J'étais voir le nouveau La Planète des Singes, du coup, en VO il s'appelle The Kingdom of the Planet of the Apes. En français il s'appelle La Planète des Singes, le nouveau royaume, ce que je trouve est un nom beaucoup moins casse-couille à dire. Et ouais, c'était sympa, c'est vraiment un bon film. Donc ça... c'est peut-être le seul truc qui me rassure pour le film Zelda, quoi. C'est que la réal ne va pas être trop mauvaise. Vu que c'est censé être le même bonhomme. Qui du coup, je crois vraiment, il a pas encore fait de gros films. Mais du coup, La Planète des Singes, c'était vraiment, je crois que son premier blockbuster. Du coup, voilà, c'est assez rassurant, surtout qu'il a, je trouve qu'il a vraiment une patte très jeu vidéo, en fait, dans sa manière de réaliser. Je sais pas s'il s'entourera de la même équipe, mais en termes de décor et tout, on a vraiment des plans, t'as l'impression que ça sort d'Horizon, quoi. Et en termes de... dans la manière d'il a, dont les pré... dont il... qu'il a dont les, de présenter les personnages qui se baladent dans les décors, dans les plans. C'était assez stylé, j'avoue. Du coup, Ma Planète des Singes, au niveau des films récents, j'ai vu les deux premiers, j'ai pas eu le troisième. Du coup, je me suis fait spoiler le fait qu'un certain personnage meurt. Mais voilà, mais c'était vraiment très cool. Du coup, après, il faut que je mate le troisième, du coup. Les fameux jeux indés qui sont référence à l'air bibit, on peut faire des merveilles avec ça. Oh, bah, c'est vraiment 6 jeux indés pour un point exé. Cargo spécial, ok. Et ouais, non, c'était vraiment cool, hein. C'était vraiment un bon film. Même si le méchant, c'est le roi Louis de Yves de la Jungle. Je voudrais être un homme comme vous, je serais merveilleux. Les chambres de stockage ont été dépressurisées. Échantillons expérimentaux dispersés dans toute la station. Trouver les OGM et les ramener au vivarium dès que possible. Ça marche. C'est la carte clé pour Leaper Sensor. J'ai vu aussi il y a 2 semaines Une Planète des Singes, c'est une bonne suite qui fait référence aux anciens et aux nouveaux films et qui est efficace sur cette thématique. Même si je le trouve moins bien par rapport à Treasury Boot, il a quand même bien plus... Ouais, ça va, il est cool. Hein. Hop. Alors c'était rigolo parce que là-bas je voulais pas le voir. En fait on s'était déterre pour aller voir Furiosa, parce qu'en fait il était pas encore sorti. Du coup on va pas être des singes. C'est pas grave, ça m'allait dans tous les cas aussi. Il y a pas le bon film, là il y a aussi The Fall Guy, il paraît que c'est moins lourd. Ok, avec la carte, ok, donc on est bloqué d'accès à de nouveaux trucs. Je sais pas s'il y a deux trucs. Non, c'est bon. Hop. Alors, rentrons là-dedans. Notre pôle, la station spatiale Symbir s'est conçue pour stocker échantillons de cargaison précieuse. Ouais, gros semaine de jeux vidéo aussi parce que demain, il y a Hellblade 2. J'ai toujours pas fait le premier. Mais du coup, je ne jouerai pas Day One Hellblade 2, mais j'espère essayer d'avoir le temps de rattraper ça au mois de juin. J'ai deux nouvelles pour toi, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu une urgence à la station, une quarantaine était déclarée au dépôt. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à travailler aujourd'hui. Ah bah, tout va bien là.
pense pas que nous sommes les bienvenus ici. Ok. De sauvegarde de la Metroid. C'est un cubicycle. Un cubisque. Un tobitos. Ah! Préférez les Toby Delis ou les Toby Toast, toi? Les Toby Toast, ils avaient l'air valables quand même. Fil rouge ou fil bleu? Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Ça signifie fil rouge. Ok. C'était rigolo. Bon voilà, si quelqu'un trouve mon découpeur plasma, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Il peut presque tout couper, j'en ai besoin pour découper ma pizza en 8 parts égales. Ok. Trouvons cet équipement. Hop, bon. Mon chat de bébé Nintendo qui va choper. Qui va choper Paper Mario 2 cette semaine. Non, c'est les Tubby Toast. C'était les trucs qui mangeaient les Teletubbies. Vous avez vraiment l'esprit mal placé, mon cher manchot. Mais l'animation, elle est très smooth. Blou, 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 blou. Ok. Du coup, Paper Mario 2, on le fera pas entièrement en stream. Je ferai peut-être juste le début. Un petit peu comme ce que j'ai fait avec le jeu du crabe. Comme ça, voilà. Je m'oblige pas à faire un let's play entier dessus. Et au moins, vous aurez, okay, voilà, vous aurez eu un stream. Où je suis dessus, c'est quand même plaisir. Alors. Je pense qu'en termes de gros let's play sur la chaîne, on va peut-être se contenir jusqu'au DLC Elden Ring, je pense. Hop. Je pense qu'on va alterner avec pas mal de découvertes indées, peut-être de petits let's play. Pourquoi tout s'effondre-t-il par ici? C'est vrai, ça. Comme bizarre. Me le prendre, c'est Paper Mario, avec pour découvrir ce classique. Ah. Moi, ça va être une semi-découverte, puisque j'ai déjà joué à l'époque. Je l'avais emprunté à un copain, et je m'étais arrêté au chapitre tournoi de bagarre, là. Les vrais seront. Hop. Le pauvre. Hop. Ok. Action. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Les chars se comportent de manière étrange. Ils sont cachés dans la salle des moteurs. Ensuite, des bruits terribles ont commencé à être entendus là. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne vais pas vérifier. Alors. Pour ceux qui ont un casque en m'écoutant, est-ce que vous trouvez que ma voix est assez homogène dans les deux sorties, ou est-ce que genre vous m'entendez plus du côté droit ou du côté gauche? Que j'avoue, je sais pas trop comment bien s'aérer avec le micro, vu que je l'ai un petit peu légèrement sur la gauche à chaque fois. Hop. Je viens de le bouger d'ailleurs. Vous avez besoin d'un équipement spécial pour déplacer les blocs. Oh, ok. On ressent pas de différence. Ok, bah tout va bien. Ah, ok, je peux revenir.
Ah. D'accord. Ceci est une sorte de cauchemar. Je me promène seul à travers des couloirs sombres. Plus vite je trouverai le piège à animaux et je capturerai les OGM échappés, plus vite je pourrai sortir d'ici. Ok. Shortcut. Ah ouais. Voici, nous avons besoin d'un capteur pour l'attraper. Un capteur. Ah. Dégage d'ici. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, il est mort! Non! C'était marrant comme petite. J'avoue, comme petite mise en scène, c'était rigolo. C'était assez rigolo. Ça commence à faire peur là. Je crois que ça va vraiment être Dead Space finalement ce jeu. Hop. On est dans le délire un peu station spatiale, mais la The Thing inversée, il y avait Carrion de Devolver qui était très 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 chouette. Oui, Alien aussi, bien sûr. Oh. La station est en quarantaine. Quittez la pièce immédiatement. Ah, mais c'est un Tortue Ninja dans la cuve ou... C'est Leonardo dans la cuve? Ah, on parle de récupérer son arme. C'est un coupeur plasma, ne te coupe pas. Ah, on peut trancher, couper, décaler. Capteur d'animaux, attrapons des OGM. Quoi? Ah, comment je suis mort? Tout le trajet. Ah bah c'est la gueulerie du coup le chemin est dégagé. Le mec n'est pas encore mort. Hop. Bon, on a un peu vu l'envers du décor. Je crois que j'étais pas trop censé mourir maintenant pour le jeu.
Récupérons cette Pokéball. Voilà, le but c'est de récupérer des petits animaux perdus dans une station spatiale qui a mal tourné. Ah d'accord, c'était là. Alors, on va récupérer ce petit lapin. J'utilise le capteur d'animaux pour l'attraper. Loup. Action. Ok. Vous avez capturé Chungus. Chungus. Je devrais utiliser Kratos Yojo, ils disent le troll qui est inspiré de création de panique sur les trucs de fusion, prior play. Ouais, je l'avais vu, ouais, c'est parce que là, t'avais une traîne sur Twitter, c'était de mettre. Pour les devs indés, c'était de mettre leur jeu et trois inspirations. Effectivement, je l'avais vu passer le tweet. C'est vrai que, ouais, Metroid Fusion, Prey et Half-Life, effectivement, ça se ressent pas mal, hein. Hop. Attention, il y a eu un incident dangereux dans le laboratoire. L'acide a inondé presque tous les locaux. N'oubliez pas de prendre le jetpack lorsque vous y rendez. Très bien. Écoutez, très bien. Petit chat. Vous entendez cela? Quelque chose est ici. Mais ouais, un gros mois de sortie en deux avec... avec Animal World. ADS2. Il y a encore plein d'autres trucs. Hein. Il y a Baladin qui arrive. Bref. Hop. Bon, d'ailleurs, ouais, du coup, j'ai vu que c'est un petit peu jazzé sur... Bah, le pauvre. J'ai vu que ça avait un peu jazzé sur la sortie, sur, en fait, ADS2 c'était plus ou moins une sortie surprise. Et c'est vrai que je l'avais pas vu sous cet angle là au début, mais c'est effectivement, ouais, quand t'es un gros indé comme ça, que tu connais le monde de l'indé, c'est quand même un peu bizarre de balancer comme ça en early access sans prévenir. Alors si au moins ça avait été prévenu, parce que là ça fait vraiment... l'animation, c'est vraiment Mario Bros, l'animation sur le mur, là. Parce que genre, quand tu connais à quel point le milieu indé, bon, quand c'est saturé, c'est compliqué de manger, quoi. Quand toi, t'as un gros indé et t'es sûr de te bien te vendre, est-ce que t'as vraiment besoin de faire une espèce de bait un peu bizarre à base de shadow drop? Je sais pas, quoi. Je sais pas si c'est vraiment très respectueux pour... ouais, pour le reste des développeurs indés. Mais bon, après, bon. Force à eux, hein. Effectivement, je pense que ça a dû un petit peu... un peu rire jaune, quoi. Pour les autres développeurs indés, quand ils ont lu ça, ils sont en mode, attends... mon jeu que j'annonçais depuis 5 mois sortira au mois de mai, là. Et il sort le même jour que putain d'Hades 2. Ok, bah pas mal, hein. Je sous-estime sa puissance. Hier, j'ai brûlé mon costume préféré en testant le fusil à plasma. Ne dis pas à Vlados. Demain, c'est son tour de tester l'arme. Je veux voir sa réaction. J'espère qu'il y a un costume de rechange. Haha. Danger.
C'est pas très rassurant tout ça. À l'aide, Parker réparait l'un des câbles. Il est tombé et resté suspendu dessus. Envoyez quelqu'un d'urgence pour l'aider à descendre. Je resterai d'ici et... Bah, je crois qu'il est resté ici, hein, mais... Je crois pas qu'il soit trop en vie. Non, mais... Ouah ! Fury bait. N'essaie même pas d'aller plus loin. Ok, on a rencontré l'IA de la station. Utilise l'expérience de piratage précédent pour débrouiller les portes. Déplacer le pointeur dans les portes pour sortir. Ok. Ok. Capitaine a téléchargé son Fury inventeur de ce drone apparemment. très spécifique, hein, Manchot. Est-ce qu'il y a une version Fury de Manchot premier? Je pense que le Fury de Manchot premier, c'est assez Pingoléon, je pense. Ou les personnages du roi de la glisse. Hop. Oula, une toile. Ah, non, j'ai assez joué à l'état de compagnie. Rapport 7. Les premières expériences avec le liquide noir sont encourageantes. Les sujets de test démontrent des capacités étonnantes. Peut-être que le prochain rapport finira dans les livres d'histoire. Tard d'aller me refaire un café. Hop. Oui. De l'enregistrer. Ok. Dommage. Après, je sais pas s'il y a vraiment moyen de le choper comme ça. Mais... J'étais préparé. Pas mal, pas mal. Ok, je vous laisse avec ce petit bruitage. Ce petit bruitage gargouillis. Je reviens.
Salut Lugia, je me fais un café, j'arrive. Les amis, j'ai une grande nouvelle, mon frigo n'est pas encore n'est pas réparé. Alors. Quelqu'un, s'il vous plaît, réparez ce robot. Il a pris notre employé dans un cargo, ce n'est pas la première fois qu'il l'a envoyé en congé anticipé dans un conteneur. James Cameron. Ah, et du coup, tu vas voir ton main. Johnny Bravo, il arrive. Hop. Where is Questmaster? Je sais pas. Je sais pas s'il est sur Keymailer, Questmaster. En général, c'est là que je demande mes clés. Questmaster, non mais cette semaine c'est un truc de fou furieux, il y a trop de jeux. Ah ouais, je peux faire une request pour... Ah c'est sur le 29, ça va, il y a quelques jours. Bon, je vais faire une petite request pour Questmaster. On verra si ça tombe. Non, j'ai pas vu le trailer de Multiversus. J'étais dans le train, je regardais juste les infos sur Twitter tout à l'heure quand ils l'ont sorti. Ok, bah j'irai le mater, t'inquiète. J'irai le mater de mon côté. Ok, on joue à Geno Panic. Petit jeu de plateforme légèrement Metroidvania, si j'ai bien compris, dans lequel on doit capturer des Pokémon qui étaient donc des animaux de recherche. Dans une station spatiale qui a tourné qui a gone wrong, donc on doit essayer de comprendre pourquoi ça a gone wrong. Et peut-être à cause d'une intelligence artificielle qui prend l'apparence d'une cat girl. Le jeu est sorti le 17 mars et je crois qu'il est dispo un peu partout. Hop. J'avoue que j'ai pas fait mon travail au niveau des plateformes. Là on y joue sur Steam. Je pense que c'est un jeu qui arrivera forcément sur Switch si ce n'est pas déjà le cas. Hop. Oui, on peut tout le monde prendre la ferraille. Ok, bah faut pas taper là-dessus. Ah, j'avoue que je pensais que c'était des A aussi, je pensais pas que c'était des warnings. Bon, je pense pas que ce soit le truc à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là?
Bon. Bon, faut vraiment, vraiment pas s'en approcher, quoi. Du coup, je pense qu'on va débloquer un vrai flingue. Ça va, j'ai pas perdu mes réflexes. Ah ah! C'est un fusil à plasma, trouvons une cible. Cool! J'aime bien qu'il y a des fringues. Je rappelle que le programme de soir c'est 2 découvertes. Ah! C'est ce Geno Panic et Pila Pila, un petit jeu de puzzle plateforme. Hop, je vous remercie aux développeurs qui m'ont fourni ces clés. Hop. Ok. Écoutez, pour l'instant c'est sympa en tout cas, ça joue tranquille, hein. C'est clairement ma cam. Après, à voir s'il arrive à avoir un petit peu ces petits moments qui le sortent un peu du lot, quoi. Mais pour l'instant ça va, il fait... On voit que c'est un jeu qui est fini, quoi. C'est un jeu qui est poli, joli, joli. Le gameplay ça joue. Hop. Ok. Ah, j'ai glissé. Ouais. Je sais pas si je pouvais renvoyer ce projectile. J'ai vu aussi en petite sortie de la semaine, il y a aussi un jeu qui s'appelle Astro Gem, qui est vraiment, bon, les forceurs diront un precision platformer, you know. Mais bon, les vrais diront que c'est Céleste. C'est Céleste 2. Ça va l'air sympa, du coup j'ai demandé une clé, je sais pas si je vais l'avoir. Mais potentiellement une découverte aussi. Hein. Hop. Non, c'est Archéogème, je crois que c'est vrai, Archéogème. On joue du coup un petit archéologue et le jeu c'est globalement du Céleste, hein, de ce que montre les trailers. Hop.
Le pauvre, j'ai l'impression de lui faire du mal. Hop. Alors que moi, je ne suis que gentillesse. Sauf envers Manchot, bien sûr. Hop. Ok. C'était une blague, c'était une blague. Hop. Ah, c'est le personnage à qui je suis méchant premier degré, c'est T-Quick, bien sûr. Hop. Ça manque peut-être un petit peu de zik, même si l'ambiance sonore est pas déplaisante. J'ai tellement de chance. J'ai joint mes coordonnées à ce message. Selon mes calculs, l'équipe de secours sera ici dans quelques jours. Ils me sauveront certainement. N'est-ce pas? Jenkins. Bah, c'est une expérience sociale avec T-Quick. J'essaye d'être méchant. Pour voir à quel moment il va commencer à me taper, quoi. Alors. Expérience sociale. Alors. Use dash. Ah, on va débloquer un dash. Ouh, j'aime bien ça. Le revêtement pour les testeurs de dash pack est ouvert. Oubliez la marche lente sur deux jambes et accéder aux coins les plus secrets inaccessibles de la station spatiale. Bon, en plus, on l'a vu dans le trailer, le dash. Cet homme, la mémoire courte. Hop. Bah oui, en plus, bah, tu vois, je suis complètement fou en plus. Je cherche la merde alors que cet homme sait où j'habite et qu'il a mes clés. Il a mon double de clés. J'ai inventé le jetpack. Il utilise du plasma bleu comme carburant et vous permet de vous déplacer, permet de glisser au-dessus des dangers. Hop. Ça fait plaisir cette petite animation qui ressemble à Mario quand on grimpe sur les murets parce que. Sur les grilles là, parce que voilà, ça me rappelle une excellente vidéo en IA que j'ai vue. Avec la musique de Dr. Mario. Oh. Vous n'êtes pas doué par prendre soin des fleurs. Oh non! Non, mais je suis pas ma maman, moi je sais prendre soin des fleurs. Bisous, maman. Hop. Alors. Le jetpack. C'est un jetpack, volons vers les laboratoires. Le chauffe, nous n'allons pas passer par ici.
Hop. Ah, il n'y a pas de Lindwich ce soir, hein, d'ailleurs. Parce que, en gros, il y avait encore que moi et Viden de dispo ce soir, du coup. On a dit, bon, bah, autant attendre la semaine prochaine. Là, je crois que Gus a dit qu'il devait streamer des matchs de Blood Bowl. Est-ce qu'il est en stream, du coup? Voilà ce qu'il nous a pris en quai. Est-ce que le gros bébou est en stream? L'avenir se construit ici. Les expériences secrètes et dangereuses sont menées dans le laboratoire et dérapent presque jamais. Presque. Laboratory. Non. Je crois que le gros bébé est en train de retourner dans sa méta trahison, mon cher T-Quick. Son arc traître est quand même plus grave que son arc raciste. Hein. Bienvenue là. Nous vous demandons de respecter les règles, ne pas distraire les scientifiques pendant leur travail, ne pas toucher aux OGM sans autorisation, ne pas prendre d'armes et d'équipements expérimentaux. Ah si, j'avais dit en let's play, on va se calmer sur la chaîne, maintenant il y aura un let's play de Rayman 3 sur la chaîne dans pas longtemps. À demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans un avenir proche. On va faire Rayman 3 en stream, dans la version HD sur Xbox, parce que je vous aime bien. Prêt, partez. J'ai inventé un nouveau pack de déplacement rapide, qui vous permet de vous déplacer rapidement autour de la station. J'ai déjà participé à quelques courses avec mes camarades, et nous avons fait même quelques paris sur le gagnant. L'avait-il seulement quitté? C'est bien vrai, ça. Il faut attraper ce Pokémon. Je sais pas si genre c'est que des endroits scriptés ou est-ce qu'on peut le choper là. Ça manque une petite musique entraînante, hein. Moi j'aime bien les musiques entraînantes dans les Metroidvania. Alors. Mais graphiquement le jeu est joli, hein. J'aime bien les gros pixels, les petits jeux de lumière et tout, les couleurs. Ça me parle. Hein. Ça me parle. Hop. Ça fait boum. Ok, ça c'était rigolo. Ouais, mais je pense que je vais pas mal recentrer cette chaîne sur les découvertes indé. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Et je pense que si vous aimez bien. Hop. Alors. Ah. Hop là. Je vais peut-être aussi me dire de pas me...
forcément me limiter aux indés qui sont sortis il y a pas longtemps. J'ai plein de trucs de mon backlog qui mériteraient bien quand même un petit coup de nez quoi. Metroidvania Maker peut être fun. Ouais, par contre là faut ça peut être fun, mais en termes de d'outils bah, faut vraiment un truc de baiser quoi, parce que là faut vraiment c'est grave. Donjon de Zelda, tu vois comment tu peux rendre ça petit entre guillemets et condensé, mais c'est vrai qu'un Metroidvania en entier Parce que bon, le but quand même de ce genre de jeu, c'est que voilà, les gens puissent partager des niveaux et des donjons assez rapidement. Alors que voilà, un Metroidvania, bon, ça te demande de faire un jeu entier, quoi, que la map, quoi. Alors qu'un donjon de Zelda, c'est qu'un bout du jeu, c'est pas tout le jeu. Après voilà, si tu veux faire un Metroidvania, je te conseille d'utiliser un moteur de jeu tel que Game Maker. Plongez, nous vous attrapons tôt ou tard. Il y a plein de moteurs de jeu qui sont adaptés hein, à différents styles de jeu. Si tu veux faire un jeu de bagarre, il y a Mugen, me semble-t-il. Si tu veux faire de la 2D Game Maker, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Si j'ai appris à l'utiliser, tout le monde peut le faire. Hein, parce que je suis clairement pas un crack de la prog. C'est un dashpack, vous êtes plus rapide que le son maintenant. Ouais, trop bien. Comment on fait du coup? R2 pour dasher. Ah, cool. Hop là. Oui. Ah, c'est violent. Non. Quoi? J'avais réussi tout à l'heure, non? Jump up in the air. À avoir une palette de mouvements pas trop dégueu. Ok. Wow. Bonjour. Ça peut se capturer ça? Non, je pense que c'est plus un monstre. Faut différencier les monstres des bêtes gentilles. Hein. C'est comme dans Pokémon. Hein. Il me semble que dans certains épisodes de Pokémon, tu vois genre des vrais animaux, genre. Alors, du coup, le lore, c'est que genre du coup il y a le. Enfin, si j'ai pas. Genre dans le lore de Pokémon, il y aura les Pokémon et les vrais animaux du coup. Et du coup, genre les vrais animaux, c'est ok de les manger, mais pas les Pokémon. Parce que dans certains épisodes de Pokémon, on les voit grailler de la viande. Est-ce que c'est...
Est-ce que c'est de la viande d'un animal random ou est-ce que c'est de la viande genre d'un écrémeux, je ne sais pas. Les gens brillants découvrent la gravité lorsqu'une pomme leur tombe sur la tête. Les gens pratiques inventent le pistolet à gravité. Un échantillon expérimental peut-être testé en laboratoire. Ouais, il y a aussi du poisson. Est-ce que c'est genre un poisson normal, genre un thon? Ou est-ce qu'il graille du Magikarp et du Poissiren? On veut savoir, Nintendo. Il y a un moment, il faut arrêter de nous mentir comme ça. Oui. Voilà, on essaye de me faire taire. Bon, je commence à poser les vraies questions. Mais nous sachons. Hop. Alors. Il faudrait que Palworld au moins le mérite de l'assumer. Ah! Mais il a aussi le mérite d'être un gros lot de merde. Mais ça, c'est une autre histoire. En vrai, ça va entre potes, c'est fun. Ouais, c'est peut-être juste... Ça me parle pas, quoi. Ah putain, mais quel con, c'est deux fois de suite que je fais la même merde. En fait, c'est rien qu'esthétiquement, Palworld, c'est un rebutoir pour moi. Vraiment, si je survis sans âme, quoi, ça me... Tu commences avec un mec en slip, puis il va aller chercher du bois de merde, faire un feu de merde, puis ensuite construire une maison de merde. Ah, pas tous les jeux de survie sont éclatés, mais bon, il y a quand même une bonne partie que je trouve pas très intéressant. Bah quoi, t'aimes pas flinguer des poules utilisées forcer? Oui. Mais c'est pas tant le problème, hein. Le problème c'est vraiment la tête du jeu. Hop. Ok, on va essayer de pas faire de la D. Ah bah on pouvait aller là. Ah bah non. On pouvait pas. J'y ai cru mais on pouvait pas. Ok. Non, s'il n'y a pas un truc en face. Ouais, je crois pas qu'on puisse monter. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hop. C'était vicieux ça, c'était pas très gentil. Hein. C'était pas très gentil. Alors. Ok. Hop. Mais du coup, la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, ce sera une vidéo sur Rayman, mais en même temps Rayman Redemption en même temps. Je vais essayer de parler des deux en même temps pour faire un propos sur Rayman 1. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et que ça vous donnera une bonne petite dose de nostalgie. Tout comme ça l'a été bien de redécouvrir de mon côté Rayman 1. Hop. Avec notamment la version Redemption. Quand il y a 50 Pokémon, je pense qu'ils ont comblé avec de vrais animaux dans l'anime par moment. Mais maintenant qu'on a plus de 1000, je pense que le monde n'est fait que de Pokémon. Ouais, c'est vrai que ouais, c'était un truc qui était surtout dans les vieux épisodes. Hein. Ils ont commencé à complexifier de plus en plus l'univers de Pokémon avec les Pokémon spéciaux, les Ultra Chimères, les Pokémon Paradox. Oui, ça, oui, effectivement. Mais là n'était pas le sujet, mais... Hop. Le but, c'était de savoir, est-ce que Sacha, Pierre, Amandine, y graille... Est-ce qu'il graille du Nidorino? Ou est-ce qu'il graille... du bœuf? C'est un pistolet gravi, ressentez la puissance de la gravité. Ouais.
Ah oui, ok, d'accord, ok, effectivement, la référence à Half-Life, enfin, on sent l'aspiration à Half-Life, là, effectivement. Non, y'a le con! Heureux, n'est-ce que... Ah merde, je l'ai plus. Bon, c'est un peu violent le fait que tu... ça te OS de tomber dans les trucs là. Non, non, non. Hop. Hop. Ouais, ça fait quand même un petit heure et quart qu'on joue. On a débloqué pas mal de power quand même déjà. C'est plutôt cool. Petite sauvegarde. Dans l'anime, il mange plus de boulettes de riz et autres plats japonais, ce qui est associé à notre version. Oh. Intriguing. Pour le coup, le jeu auquel je suis en train de jouer est inconnu en France, effectivement, contrairement à Persona 5 Royal. Alors... Je vois pas trop comment ça marche. Je vais en dire que je... Je sais pas si je peux genre le déplacer ou quoi. Le jeu peut un petit peu me répéter comment ça marche l'histoire. Ah ! Zut. Non mais... Quelle andouille. Ah, parce que là, j'ai commencé à la ramener, voyez-vous. Ouais. C'est bizarre. Comment je remonte là-haut, moi? Chambre en bas. Qu'est-ce que je dois faire? Faut que je remonte là-haut, mais où? Comment?
Ah. Ah oui, d'accord. Ah bah non. Attendez. Ah oui, c'est peut-être bon. C'est peut-être bon. Ok, c'était ça. Putain. C'est quoi de beau, n'est-ce que... Vous avez fait des trucs en particulier ce week-end? Salut Chaos! On est sur Genopanic. Un petit jeu... Metroidvania, je sais pas encore trop si on peut le qualifier comme ça, mais en tout cas d'action plateforme, ça c'est sûr. Avec un petit... avec un poil de backtracking et d'exploration. Hop. Hop les... Donc là normalement je peux virer cette merde. Ok. Je vais relancer la démo slash bêta de Inazuma Eleven. Ah et du coup ils ont sorti le premier chapitre de l'histoire, j'ai vu passer. J'ai vu passer ça. Ouais, j'avoue que je suis pas du tout un fan ni un joueur d'Inazuma Eleven. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que je m'y suis jamais vraiment intéressé. Hop. Alors... Ah. Mais oui, effectivement, j'aime bien aussi les gros pixels du jeu. Et après, on va passer sur un autre jeu. De plateforme en pixels, mais dans un autre registre. Plutôt le registre des énigmes et des puzzles. Avec Pila Pila. Continue encore un peu Genopanic et puis on s'y attellera. Hop. Ok. Oula vite. Ok. je sais pas si c'est rassurant ou pas comme, comme bestiole. Oh. Ok. Ouh. J'ai failli crever. Petite sauvegarde. Mais ça manque un peu de zik, effectivement, c'est un peu dommage. T'as plus le truc qui va venir te goumer quand tu actives un générateur, ça. Donc on a beaucoup joué à Roger Landerland. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Non, dommage.
Excusez-moi pour avoir enculé mon micro. Non mais maintenant je... Colbich réagit de manière extrêmement agressive. Nous avons à peine réussi à esquiver ses coups et après ses sauts, nous avons dû réparer le sol. Faites attention à ne pas le libérer accidentellement de la fiole. Ok. Ah! Écoutez, le mieux c'est qu'on s'en aille, ce sera beaucoup plus prudent. Bon, ça sent le premier boss du coup. Vous ne comprenez pas de manière positive. Donc, Cortana Cat Girl nous embrouillait. Le docteur Colby s'occupera de vous. Ça scientifique, quel bourreau de travail. C'est devenu boubou. Appeler. Ouais. J'ai oublié le bloc, nous avons vu en dessous. Bon, c'est trop du backseat quoi en fait. Attends. Hop les. Ça c'est bien pensé, j'avais eu peur de me softlock. Hop. Hop les. Alors. Pas mal. Ah, on peut rechoper notre Pokémon. Hop les. Du coup, on a dû rater le lapin. Enfin, je sais pas si on pouvait récupérer. Peut-être passer à côté sans faire gaffe. Ok. Je crois que c'est la bouille dans cet état parce que les scientifiques dedans ont cherché pendant 3 mois et ont abandonné. C'est trèf de con. Sacré Nesca, toujours le mot pour rien. Bon, on va passer au deuxième jeu, en qu'il se fasse trop tard. Voilà, c'était une grosse... c'était une découverte de Génopanic. Ma foi, c'était plutôt sympa. Je finirai peut-être de mon côté, alors j'en ferai un petit stream dessus. Mais du coup, là, je leur dirais si c'était cool, mais en tout cas, ouais, c'était vraiment sympa. C'était une bonne première heure de jeu, assez variée, pas mal de petits pouvoirs à débloquer... Voilà, peut-être effectivement, auditivement, ça manque un petit peu de punch. Ce qui fait que du coup, on a un jeu un petit peu relaxant, un petit peu endormant à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est très joli, le gameplay est très fun, ça se prend bien en main. On voit qu'on a un jeu polish, ça fait plaisir. Hop.
Ouais, je reprends l'honnêteté, ok, nickel. Hop. On va pouvoir passer au deuxième jeu de cette soirée. Alors. Change de catégorie, faire un petit tweet, genre un petit peu de décor en attendant. Alors. Visiblement, il y a deux films Pirates des Caraïbes en production. Il y aura un reboot et un spin-off avec Margot Robbie. Peut-être que le spin-off avec Margot Robbie, c'était leur projet de film Pirates des Caraïbes avec une meuf. Du coup, c'est devenu un spin-off, j'imagine. Et le reboot, eh bien, c'est un reboot avec peut-être du coup un nouveau Jack Sparrow. Je pense pas que ça se passe dans l'univers Barbie, n'est-ce qu'à pas mentir. Je pense pas, mais on sait jamais, hein. Peut-être que... Je sais pas, hein. Un petit ratio avec Open qui part. Ça fait plaisir, c'est nourrissant. Ah ouais, ça spam. Hop, 4 mois de ban, chaos, désolé. Excusez-moi, je suis fatigué à ma voix, mais c'est parce que c'est le cas. Oh. Petit OST de Beacher qui va se lancer. Hop. Alors. Pila, pila. Pile. Nous sommes sur Pila Pila, un petit jeu indé bien sûr, de platformer puzzle, dans lequel on va eh bien, jouer avec des cubes, des blocs. Un peu comme dans Minecraft bien sûr. Color blind mode, ah, ça peut être sympa ça pour ceux qui ont des problèmes. Bon, bah, allons-y. Hein. Ouais, c'est vraiment une interface à la Ink. Donc là, on bouge comme ça. Ok, je pourrais reset le niveau en appuyant. Je pourrais reset le niveau. Ça, c'est pour reset l'action. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ok, c'est intéressant. Hop, là je dois soulever les blocs pour, vous l'aurez compris, me frayer un chemin. Hop. Boum. Next level. Ah. Ah, ok. J'aurais pas dû faire ça. On va restart plutôt, ça sera plus simple. Hop. Tac. Ok. Ah. Faut pas faire de bêtises. Appelez.
Celui-là, là, ensuite tac. Tac. D'accord. Ensuite, on ramène tout. Voilà, vraiment comme j'avais dit, on a, y a une petite vibe boy, box boy. Appelé. Donc Chaos vient de lancer ADS2. Je t'ai cramé. Hop. Alors, ok, compris. Ah. Zut. Il faut d'abord que j'arrive à récupérer celle-là, du coup. Hop. Où ça là? C'est vraiment le genre de concept tout con, mais qui marche très bien. Et à chaque fois, on se dit comment. On n'a pas pu y penser avant. Hop. Ok. Et vous allez voir, après il y aura des variations au niveau des blocs. Hop. Je pense pas que je puisse gruger, effectivement. Alors. Ah bah oui. Ou peut-être que non. Ouais non, ça sonnait mieux dans ma tête. Tu vois, c'est que genre, je pose un bloc pour le réceptionner en face, truc comme ça. Ah bah oui. Ouais, non, c'est bon. Hop. Alors. Bon, le but c'est d'éviter de trop empiler les blocs parce qu'après on peut plus les récupérer. Ok, bon, j'imagine que le but là c'est de faire une giga échelle.
giga échelle pour le ocean. Je crois que je suis biaisé. Alors. Ah, c'est vrai, ouais, c'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Alors, je prends ça, je mets ça là. Ce qui pose que je me lâche une marge de progression. Hop, on va déjà aplatir tous ces blocs là. Et après, on va commencer à cogiter. Alors. Non, là, je viens de m'enfermer. Ah, compris. Non, en fait, j'ai pas compris. Alors. Mais non, je vais pas try next time là. Je vais réussir, bordel. Si, totalement, je suis totalement biaisé. Oh, zut. Alors. Ce qu'il faut, c'est que j'en ai 3 de l'autre côté, là. À la fin. Bon, je viens de me baiser tout seul. Alors, je viens d'assommer tout le chat, tout le monde est mort.
C'est simple, hein, c'est plus simple. Tu peux monter l'escalier avec les blocs? Non, on peut pas. Ok, merci, au moins. J'ai l'impression d'être le seul à essayer de comprendre le jeu, merci. Au moins quelqu'un d'autre qui suit. Ok, peut-être un truc à faire, genre comme ça, mais de manière moins bête. Même bazar que tout à l'heure. Est-ce que le développeur n'aurait pas pris de la drogue? Faire la même même connerie en boucle là.
Bizarre. Keblo. Je me fous en l'air. On peut pas se foutre en l'air. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Alors, je m'y prends mal, je pense qu'il faut peut-être pas commencer par les blocs du haut. Peut-être plus servir de ceux du bas. Pour faire un effet de... On va décrire. Non, c'est parce que... Oh, putain. C'est pas ce que je voulais. Il y avait peut-être un début de piste. C'est à quoi tu pensais, Tiquick, ou t'as vu une autre piste? Le jeu devient vite compliqué. Tac. Alors c'est moi qui deviens très vite con aussi. Ça c'est pas impossible. Alors. Ouais, bah non.
Lugia, fais use de tes ménages. Qui fait des donjons. Aide-nous! Alors. Commençons avec les blocs de droite. Tu mets deux blocs à gauche, tu mets trois blocs à gauche, tu prends celui de l'étage, puis tu tombes avec. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, non? En fait, en gros, à chaque fois, j'arrive à avoir deux blocs pour aller à l'échelle, mais il m'en faut un troisième pour pouvoir monter sur l'échelle ensuite. Le problème, c'est que j'arrive pas à avoir trois blocs dispo. Disponible. À disposition dans les magasins. Il n'y a que deux blocs dans le fossé. Des blocs. Parce que tu vois, tout à l'heure, moi j'avais fait ça. Boum. Boum. C'est après que je me ramène avec celle-là. Et après, je sais, là, je sais, là, je. Non, zut. À partir de là, je coince. Je coince. Attends, tu l'avais. Je l'avais. Je l'avais. En arrière. Faire moins que 3 blocs dans le fossé, tu les drops juste. D'accord. Ah bah oui. Merci, merci de suivre les gars, merci. Hop. C'est bien, on réfléchit ensemble. Hop, alors nouveau bloc. Boum, avec ça on peut remplir les trous. Bravo, bravo à tous pour ce travail commun. Hop. Je ne peux pas te donner 10 euros. Par contre, si tu peux me donner 10 euros, voilà, je dis pas non. Hop. Comment ça marche le bloc rose? Parce que là, ça l'a pas comblé. Mettre un bloc blanc dessous. Ah ouais, c'est ça, ok, ouais, faut qu'il y ait absolument qu'une seule direction possible pour qu'il marche. Ok. Ok. Prendre ensuite. Intéressant. Non, je suis le roi des cons. Hop.
Il n'y a plus qu'à se servir. Ah, c'est très malin comme jeu. Très très malin. Alors... Ok. Il faut qu'on monte tout là-haut. Tout là-haut. Alors. Mais c'est très malin comme jeu. Mais il nous emmerde avec son Questmaster, lui. Alors. Si Questmaster il dit de sauter d'un pont, tu le fais? Ça va pas le faire. Je m'en doutais un peu. Qu'est-ce qu'il faut que je mette
plein de blocs blancs ici. Je vais te faire une giga. Non. Giga tour. Voilà. Ensuite, je refais ça de l'autre côté. Ok, il va falloir qu'on passe de l'autre côté. Comme ça. Hop. Non. Voir ici avec les ratios tout le temps là. Est-ce que moi je fais tout le temps ratio là comme ça? Non. Voilà. Prenez à vous respecter sans ratio tout le temps quoi. Hop. Très bon ratio. J'apprécie beaucoup. Ah, c'est bon. Il veut pas m'en dépatouiller. Hop. Hop. Les blocs verts, on peut casser les autres blocs. Alors, là, nouvelle mécanique introduite, et après ça va certainement fusionner les deux. Nous sachons. Hop.
nickel. Il y a beaucoup de trucs à casser là. Bonne nuit, Lugia. Ok, je crois capter le délire. Chercher le VIR. Cool.
crotte. Ensuite, ok. Ah bah non, c'est bon. Pourquoi je psychotais à l'idée de garder des blancs? Hop. Faut compléter le pan. Ah, peut-être pas zut en fait. Attendez. Attendez. Si je fais. Tac. Plutôt, bon, le concept est sympa, hein. Après, faut voir s'il y a d'autres mécaniques qui se rajoutent, mais bon, c'est assez, ça marche bien, c'est assez retors qui vient de prendre la tête. Mais c'est assez hypnotisant pour que tu relances un tableau à chaque fois. Ouais. Boum. Je ramène les deux verres là-bas. Donc je fasse le fou non plus. Non. Ok. J'en remets une de l'autre côté, ainsi de suite.
Je vais te kéolo après. Celui-là m'intrigue. Focus le fait de libérer le verre en dessous dans un premier temps histoire d'être peinard. De toute façon, il m'en faut juste un dernier. Oui. Tac. Ouais, c'est bon. Ok. Faire une petite tour. Petite tour indé. Ok, le jeu qui revient sur ses premières mécaniques. Donc, évidemment, un petit twist.
Ok. Ok, oui, une petite dizaine de monde. C'est un jeu à 5 balles, hein, de toute façon. Vous attendez pas un jeu qui va durer des heures. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Donc ça s'appelle Pila Pila. Petit jeu retrouvé sur Steam. Je sais pas sur console, faudrait que je vérifie. Mais ma foi, si vous cherchez un bon petit jeu de casse-tête, je pense qu'il fait le taf, hein. C'est rigolo. Hein. C'est déjà que c'est au cinquième monde. Du coup, je vois une dizaine, hein, du coup, ce que je comprends. Ok. Ok. Eh ben, c'est plutôt sympa. Hop, ok, merci de m'avoir suivi pour ce petit stream à découverte indé. Après ces quelques jours d'absence, je vous souhaite une très bonne semaine. Dormez bien, c'est ce que je vais pas tarder à aller faire. Voilà, bonne semaine à vous, une semaine qui s'annonce chargée en jeu avec Helldivers, XD Fire, Paper Mario 2, moult indé, bref, on risque pas de s'ennuyer. Merci à vous. Merci pour votre présence dans le chat ou en lurk. Des bisous, c'était Espagne, n'hésitez pas à follow si c'est pas toujours fait. Si c'est toujours pas fait. Voilà. Au revoir.